Allô? Oui? Oui, bonjour. Ah! En plein jour ou la nuit? En plein jour. Ah oui, d'accord, il y a un problème. Et il tourne en rond sur lui-même? Il fait des grands cercles? Allô? Vous êtes dans quelle ville? Ah ben, vous êtes tout près. Est-ce que vous pouvez venir me l'apporter? Parce que j'aimerais vraiment le voir quand même. Ah, vous connaissez? Bon, ben c'est parfait alors. Ben, je vous attends d'ici un quart d'heure. Merci. Allô? Oui, bonjour. Ah, d'accord. Est-ce que vous les avez pesés? 100 grammes. Donc, ils ne vont pas être assez gros pour passer l'hiver. Hein. Ça ne va pas être possible à cette période de l'année. Donc, ce qu'il faudrait faire, en fait, c'est les nourrir. Des croquettes ou de la pâté à chat ou à chien, et ce sera parfait. Merci beaucoup. Au revoir. Mais vous avez combien d'appels par jour, comme ça? Une centaine. Centaine? Oui. C'est pas vrai? Si, si, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi les gens vous appellent, vous? Ah ben parce qu'on est un hôpital pour hérissons. Un hôpital pour hérissons? Ah, voilà. Que les hérissons? Que les hérissons. Alors, vous voulez dire que tous les gens qui trouvent des hérissons... En France, qui ont l'air un peu malades... Et un petit peu à l'étranger aussi, ça arrive. C'est vrai, on vous appelle de l'étranger? Une fois, on m'a appelé de Chine. De Chine? Des Français en Chine, oui, c'est vrai. Il y a des Français qui étaient en Chine, qui ont vu un hérisson malade. Enfin, en plein jour, qui était... il était sur un trottoir, donc ils ont été sur Internet et ils ont appelé. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes parti en hélicoptère en Chine pour sauver le hérisson? Non, j'ai expliqué comment faire et c'est vrai que ça a été un petit peu épique comme histoire. Alors ça m'épate. Donc là, c'est l'hôpital. Voilà, c'est ça. L'infirmerie, on va dire. Ça sent un peu le... Le hérisson. Je connaissais pas. Oui. Voilà, alors là, c'est Nora. Mais vous allez vous faire piquer? Elle pique un peu, mais elle est malade. Oh, bah, j'ai jamais vu un hérisson de près comme ça. Mais c'est tout mignon. Oui, c'est mignon. Bien sûr, c'est mignon. Une petite tête toute mignonne. Mais alors, elle est malade, elle est toute maigre. On a envie de caresser, mais en même temps, on se dit que ça va piquer. Mais non, allez-y. J'ose pas. À l'arrière, ils ont horreur. Faut pas le faire dans le sens du poil. Non, déjà. Et puis ensuite, pas la tête. Ils ont horreur de ça. Ah, ça gratouille, hein? Ouais. Ah, j'ai jamais senti ça. En même temps, ça masse. Oui, voilà. Les gens, ils ont des boules pour mettre sous leurs pieds. Ben voilà. Oh. Qu'est-ce que vous faites, là? Ah, ben là, j'essaye de lui donner son médoc. Mais elle veut pas. Elle veut pas, non. Mais il faut pourtant bien qu'elle le prenne. Oh, il s'est mis en boule, là, c'est dingue. Ah oui, oui. C'est pas une légende, hein? Ah non, du tout, du tout. Bon, ça va, on dirait que quand les hérissons arrivent encore à se mettre en boule, c'est qu'ils ont encore un peu de pêche. Voilà, ça y est, je suis dedans. Il est dans la bouche, là? Ouais, ça y est. Comment vous le savez, on voit rien? Ah oui, parce que je le sens, je suis dans les dents. Vous lui avez donné, là? Oui, je lui ai donné. C'est pourquoi vous le mettez à votre oreille? Je mets mon oreille parce que j'entends un craquement et je sais qu'elle a des vers pulmonaires. Et donc, je me demande... Des vers pulmonaires, ouais, c'est-à-dire des vers dans les poumons? Voilà. Je me demande combien de temps je vais pouvoir attendre avant de la vermifuger. Parce que si on vermifuge un animal qui n'est pas en bon état général, ça ne va pas, on risque de le tuer. Et à quoi vous voyez qu'elle est malade? Alors, elle est malade parce qu'elle est très maigre. Ah, mais là, elle est avachie, non, c'est granulé, elle ne mange, ouais, pas du tout. Elle ne mange pas du tout, non. Mais on voit rarement des hérissons de près comme ça. Ah oui, oui, mais effectivement, on reste quand on les voit, c'est les galettes, quoi, hein, souvent. D'ailleurs, le premier hérisson qui a fait qu'on a créé l'association, mon mari l'a trouvé en plein jour. Et on n'y connaissait rien. Il y a 16 ans, on ne connaissait absolument rien en hérisson. Donc, il a vu un hérisson, il a voulu le déplacer et il avait les yeux crevés. Donc, voilà. Et du coup, ça vous a attendri? Ah là là, oui. Mais c'est attendrissant, non? Mais oui, c'est mignon, c'est vrai que... En plus, c'est tout doux en dessous. Regardez. Je peux toucher dessous? Bien sûr, en dessous. Elle ne va pas mordre? Non. Ah, c'est la première fois que je touche le ventre d'un hérisson. Ah ben oui, c'est tout doux. Et ça, on a rarement l'occasion dans sa vie de caresser le ventre d'un hérisson. Oui, c'est tout à fait. Donc, si on voit un hérisson de jour... Il est toujours en perdition. Hérisson vu, hérisson foutu. Quasiment. C'est un bon slogan, ça, oui, c'est pas mal. Oui. Bon, là, on a pour combien de temps pour guérir? 4-5 jours. Et normalement, elle doit avoir des selles un peu plus consistantes. Parce que vous regardez les selles des hérissons. Ben on apprend plein de choses en regardant les selles des hérissons. Ah, je crois que c'est la dame
qui venait. Bonjour madame, vous êtes la personne qui m'a téléphoné. Oui, je vous en prie. De vous déranger. Entrez, entrez, je vous en prie. Alors, trouvez dans mon petit jardin. Oui. Comme je ne connais pas grand-chose. Oui, d'accord. Vous avez... Alors, donc c'est, il tourne, hein, c'est ça? Oui, il n'a pas l'air blessé, mais il tourne beaucoup en rond. Alors attendez, je vais. Il tourne en rond. C'est un juvénile. Ah bon? Il a quel âge? Oh, c'est. Allez, 6 mois. Il n'est pas aveugle. Ah ben oui, il tourne en rond. Ah, vous avez bien fait de me la. Sa tête, elle est un peu. Oui, elle penche. Bon, c'est pas. Donc c'est carrément. C'est vraiment neurologique. Hein. C'est dû à quoi? Alors je ne sais pas du tout. Peut-être qu'il a pris quelque chose, un coup sur la tête, ou alors peut-être qu'il a. Une déficience à ce niveau-là, au niveau du cerveau, je ne sais pas du tout. Là, pour l'instant, il faut faire un traitement. Mais un oxygénérateur cérébral. On va le mettre sous oxygénérateur cérébral. Sous oxygénérateur cérébral. Vous avez ça pour les raisons? Oui, oui, tout à fait. 530. Mais il faut un diplôme de spécial pour soigner les hérissons? Oui, ça s'appelle un certificat de capacité. Ah, donc vous avez un diplôme? Voilà. Mais il y a combien de gens en France qui ont un diplôme de soins de hérissons? Il n'y en a pas assez. Il y en a combien? Une dizaine. Alors, viens là, mon petit bonhomme. Alors, je vais lui donner son traitement. Donc ça c'est quoi ça? C'est l'oxygénérateur cérébral, justement. Ah, c'est un médicament, d'accord. C'est un médicament qui est utilisé pour les chats et pour les chiens. Donc on va voir s'il va manger, ce petit bonhomme. Oh là là, il est perdu, hein, piège. Ah, il tourne en rond encore. Ah, mais le pauvre, mais il est... Ah oui, il tourne en rond. Il est perdu, là. Il est un peu stressé. Attends, viens, calme-toi. C'est tout. Et ça le calme quand vous le prenez? En tout cas, moi, ça me calme. Ça me calme de ne pas le voir tourner comme ça, ça me stresse. Je suis désolée, je vais vous squatter votre caisse à chat et je vous la rendrai demain. C'est parce que là, il est... C'est trop grand? Il a trop d'espace, oui. Ah, c'est trop grand, là? Oui, c'est trop grand. Vous voyez, il est... Il se fait son petit... Il est rassuré. Ouais, il est rassuré. Bah, je prendrai des nouvelles. Oui, oui, bien sûr. Puis je vous rendrai votre caisse, hein, y a pas de souci. Mais c'est vrai que c'est attachant. C'est mignon. Hein? C'est vrai? Ah oui, oui, moi j'ai craqué, hein, de toute façon. Moi, mon premier hérisson, j'ai été émerveillée. Hein. C'est vrai? Ah oui, oui. Et puis, comment voulez-vous pas craquer quand on voit une bouille pareille? C'est adorable. C'est vrai que c'est adorable. Hein. Ouais. Il y avait vraiment quelque chose à faire, quoi. Stressé. Bah, tu m'étonnes. T'es un bon pépère. Mais là, il est plus que stressé, il est en boule. Là, il est en boule, il n'est pas très content. Hein. Mais dans 5 minutes, il ne se rendra plus compte de rien. Et alors, donc là, vous avez un assistant? Oui, mon mari. Bonjour. Cédric. Bonjour. Voilà. Ah oui, donc votre mari est quand même mouillé dans toute cette histoire. Complètement. C'est grâce à lui que tout est arrivé. Assistant anesthésiste. Qu'est-ce que vous faites? On va l'endormir. Là, vous endormez le hérisson. J'essaie de trouver un accès au niveau du museau pour que le gaz se diffuse. Est-ce que vous allez l'opérer? On va voir un petit peu sa blessure, comment elle est, pour bien désinfecter. Et si on respire du gaz, on s'endort? Ah, complètement. Ah ben, t'es pile poil sur le museau, c'est bien. C'est bien. Alors, la difficulté, c'est que en fait, il dort tant qu'on laisse le... Tant qu'on laisse le tuyau. Et le souci, c'est que comme c'est sur le museau, il faut aller très vite pour faire les soins. Parce que sa blessure est sur le museau. Donc, automatiquement, quand on fait les soins, il n'a plus le gaz dessus, donc il se réveille. Ah, il se détend, ça y est, c'est marrant. Allez, mon bonhomme. Ah oui, là, il se relâche complètement. Voilà. Oh là, qu'est-ce qui lui est arrivé? Mais il a eu la moitié du museau emporté par une débroussailleuse. Ah, il mange bien, hein, ça va. Hein. Mon pépère. Et vous opérez régulièrement les hérissons comme ça? C'est des soins, hein, c'est pas une opération.
Une opération, c'est le vétérinaire qui fait ça. Et donc des fois, vous l'emmenez chez le véto? Ah oui, très souvent, oui. Bah, là, il a eu les dents de détartré il y a 15 jours, je crois. Ah, parce qu'on détartre les dents de hérisson? Ah bah oui, hein. Oh, tu vois, il s'est... Ah, il s'est réveillé, là. Oui. Il faut recommencer l'anesthésie. Il doit avoir très mal. Bah là, j'ai rien fait encore. On essaie de les endormir pas trop longtemps. Vous avez le trac quand vous faites ça? Plus maintenant. Au début, vous l'aviez? Ah, oh oui, oh là là. Ça se traduisait comment? Ça se traduisait que j'avais très chaud, j'étais pas bien, j'avais peur, je tremblais. Voilà, mon bonhomme. Ouais, c'est un gros pépère. Un bon pépère, oui. Il se réveille, il se réveille, il se réveille. Là y est, mon petit bonhomme. Hop, 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 hop. Là y est. Il y a toujours de la tendresse, hein? Ah oui, oui, oui. Mathilde. Ah, petite mademoiselle. Tu es en pleine forme maintenant? Allez, on y va. Ouais, c'est bien. Bah écoute, on va la mettre là. On voit les routes. Ouais. Bah c'est parfait, on va la poser là. La petite mère. Ça pique pas trop? Non, ça va. Non, non. Alors, petite Mathilde. Bon. Alors, elle va partir au bout de combien de temps? Là, c'est une réinsertion en milieu sauvage. C'est jour de relâchage aujourd'hui. Voilà, c'est jour de relâchage. Et donc, vous la lâchez comme ça en pleine nature? Oui. Et c'est triste pour vous? Oui, ou c'est dur. C'est vrai? Ah oui, c'est dur, mais bon, en même temps, on est là pour ça, donc... À chaque fois, vous êtes triste? À chaque fois, nous sommes tristes, oui. Et Mathilde, là, elle est restée combien de temps chez vous? Nous l'avons eu bébé. Elle n'avait plus de maman, elle était orpheline. Avec deux autres... Donc vous l'avez élevée? Voilà, nous l'avons élevée. Donc c'est votre enfant? Un peu, oui, on va dire ça. Combien de temps? Là, ça fait 5 mois et demi. Et là, vous lâchez votre enfant tout seul dans la nature. Et voilà, on en est tous là. Hein. Quand on a des enfants, ils partent, vivent leur vie et tout ça. Mais seulement avec les enfants humains, on a des nouvelles, quelquefois. Tandis qu'avec les hérissons, on n'en a jamais. Ça, c'est le souci. Pas un courrier, pas un coup de téléphone, pas un coup de fil, rien. Mais peut-être qu'elle n'a pas envie de vous quitter. Ah oui, non, mais il faut qu'elle parte. Il faut qu'elle parte, il faut qu'elle fasse sa vie. Elle a tant de choses à découvrir. Mais si ça se trouve, elle va faire 50 mètres et il y a un chien qui va la croquer. Ah. Pas à cette heure-ci. Pas à cette heure-ci. Qu'est-ce que ça vous apporte, au fond de vous? Pourquoi vous faites ça? Une énorme satisfaction de se dire, on a réussi, on a sauvé une vie, c'est fantastique. Même si ça dure qu'une minute, c'est fantastique. C'est une impression extraordinaire, c'est indescriptible, en fait. On a un peu la satisfaction du devoir accompli. Enfin, c'est un petit peu ce que je ressens. Certains vont s'occuper des êtres humains en difficulté, d'autres des hérissons, etc. Donc en fait, vous êtes une petite pierre. Bien sûr. Parmi d'autres qui essaient d'aider la vie. C'est comme ça que vous voyez les choses. Mais on est tous utiles. Un hérisson, c'est utile. Une fourmi, c'est utile. Un crapaud. Voilà. Et on est tous connectés les uns les autres. Mais quelquefois, on n'en a pas toujours conscience. Et qu'est-ce que vous faites quand il part comme ça? Vous lui faites un petit au revoir? On formule le vœu que tout aille bien, qu'elle vive bien, qu'elle soit heureuse, qu'il lui arrive rien de négatif, qu'elle ait une vie pleine de promesses et d'allégresse. Une vie de hérisson. Une vie de hérisson. Elle va s'en aller, là. Ah, ça y est, elle choisit son destin, là. Voilà, exactement. Elle choisit son destin, c'est bien formulé. C'est vrai que c'est touchant, parce que c'est passé... Bah oui, surtout quand on l'a eue, elle était grande comme ça. Hein. C'est... Parce qu'on sait pas ce qui va lui arriver, c'est... Non, non, non. C'est beau, ce petit moment. Oui, ah oui, c'est toujours émouvant. Au revoir, petite Mathilde. Elle s'en va.
Elle s'en va. Elle est partie. Que vous faites? Je prends des pelures d'oignons. Vous savez que c'est le... ce qui se mange, c'est pas ce qu'il y a autour, c'est ce qu'il y a dedans. Ah bon? Mais ici, je fais des mélanges aussi dans les couleurs. Vous voyez, c'est très joli, là. Mais je fais un petit sac où je les mélange. Mais ça va pas être très bon, hein, comme plat, si vous mettez que ça. Ah non, 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 je crois pas. À la pesée, ça doit être économique. Ah, c'est plutôt économique, ouais. Bien. Je vais mélanger avec du blanc. Et vous mélangez tout? Et ici, je mélange tout, oui. Je mélange tout. Alors, qu'est-ce que vous faites avec ces pelures d'oignons? En fait, je vais les utiliser pour donner un concert. Pour donner un concert? Oui. Avec des pelures d'oignons? Ça, c'est un instrument de musique dans... Ouais. Ça, c'est un instrument de musique? C'est un instrument de musique qui me donne, entre autres, des aigus. Très bien. Et il s'appelle comment, cet instrument de musique? Ben, c'est mélange oignon, ail violet, échalote, voilà. Généralement, j'ai pas vraiment m'ennuyé beaucoup pour les noms, parce qu'ils sont déjà composés, quoi. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme instrument prévu? Ici, les poivrons, je les utilise généralement comme poumons. Comme poumons? Oui, comme poumons, pour actionner des flûtes, en fait, à la main, plutôt qu'avec mes poumons à moi. C'est des poumons intermédiaires. Mais il faut d'abord les masser. Pour attendrir, en fait, et pour pas qu'ils éclatent. D'accord. Attendez, allez doucement pour moi. Hein, Donc, les oignons, c'est les aigus. Ça, ce sera un poumon qu'il faut auparavant masser, oui, pour qu'il souffle dans un autre instrument. Oui, c'est ça. C'est ça. Pour actionner une flûte, là. Un poivron sert de façon très banale à cela. Oui, bien sûr. Il y a pas très longtemps, on m'a appris qu'on pouvait aussi le manger. Donc, j'ai essayé. Bon, je trouvais ça assez curieux de manger des instruments de musique, mais c'est possible, en fait. D'accord. Et qu'est-ce que vous allez acheter encore aujourd'hui? Mais je vais prendre des bananes pour le couple poireau-banane. Est-ce qu'une banane ne fait de la musique qu'en compagnie d'un poireau? Oui, c'est un couple. Ah, d'accord. Ouais, c'est comme le violon, on peut faire la musique comme ça, mais généralement, on a besoin d'un archer. Ah, et donc le poireau est l'archer de la banane? C'est l'inverse. D'accord. C'est quelque chose qui est très agréable dans la musique avec les fruits et légumes. Agréable, c'est pas le mot qui me viendrait là de ce que je viens d'entendre. C'est pas... Ça vous fait pas trop mal quand même? Non, ça va. Okay. Ça me rend curieux. Je savais pas qu'on pouvait jouer de l'endive. Moi non plus. Ah, elle parle en plus. Très bien. On peut jouer de tous les légumes. Absolument tous. Une laitue, vous pouvez pas faire du son avec une laitue. Si, bien sûr. Il y a tous les craquements dans tous les craquements des nervures. Puis on a toute une série de petits sons. Enfin. C'est un peu juste quand même. Ah oui, mais dans ce projet-là, j'ai choisi les limites. Tout ce qu'on peut entendre avec un stéthoscope. Vous écoutez les salades au stéthoscope? Oui, ça m'arrive. Non. Si. Mais je te laisse explorer toi-même. Et qu'est-ce que je fais? Je le mets dedans? Tu peux essayer de le mettre dedans.
ferait pas un peu de tension, celle-là? C'est vrai que ça touche à tout, mais je suis pas encore spécialisé dans la santé des légumes. Couchette dedans. Ah bah oui. Je peux dormir dedans. Ah, c'est là que vous dormez? C'est votre maison? Parfois, bah, quand je suis en tournée, je dois bien dormir quelque part. Parce que vous faites des tournées de concerts? Oui. De légumes? Bah oui. Mais il y a eu une petite tournée où j'ai fait quand même là, c'était la Suisse, Berlin, je suis allé en Roumanie. Vous êtes le troubadour de la carotte? Pas que. Et du navet. Ah, merci pour le navet. Merci pour lui. Ils vont plus être frais demain. Si. Ils vont être ramollis. Non, on va leur parler. Vous allez parler aux légumes pour qu'ils restent frais. Oui. Vous allez leur demander, veux-tu bien rester frais, poireau? Ben oui. Elles sont réveillées? Ça commence, hein? Comme tu vois. Là, je vais fabriquer un petit instrument en patate douce. Tu vois, je cherche aussi des endroits où frapper. Je pensais pas qu'une patate, ça pouvait faire ce son-là. Celle-là, j'ai plutôt l'utilisé pour faire des petites flûtes. Pas. On peut l'accorder aussi en recoupant. Puis c'est très décoratif. Ah, ça, c'est rigolo. Mais c'est vous qui avez inventé la flûte patate? La flûte patate? Je ne sais pas. Peut-être. Là, je fais une embouchure de flûte. En quoi? En carotte pourpre. Donc, je les mets. Voilà. Tu vois ce que je veux faire là? Ben, pas trop. C'est marrant parce que quand on vous voit au début au supermarché, on se dit bon, il fait de la musique avec les endives, ok, il est un peu fou. Mais quand on vous voit là préparer vos instruments, on ne vous voit plus du tout du même œil. On sent que c'est très précis, très fin, travaillé. Là, ça devient, on rentre dans la lutherie, ça devient de la lutherie. Puis c'est vrai que ce sont des gestes précis. Tu vois, je vais devoir m'y habituer un peu pour apprendre. Je vais devoir apprendre à en jouer, en fait, maintenant. Et donc, vous avez 3 heures pour apprendre à en jouer, celle-là. Ouais. Merci de me le rappeler. En effet, il y a de ça. On sent que vous les aimez bien, les légumes, la façon dont vous les touchez, la façon dont vous les regardez. Ça aussi, c'est très doux. Pourquoi vous faites tout ça, au fond? Je crois que c'est par rapport à la rencontre et au partage aussi. C'est vraiment partager les choses. Sinon, à quoi ça sert de les découvrir? Et donc, ce qui vous intéresse aussi, c'est de redonner une valeur à des choses qui pourraient en avoir un peu perdu, comme un poireau, comme... Quelque part, justement, c'est ça, en fait, aussi, c'est le fait de découvrir qu'une pastèque, c'est pas 60 cents du kilo, quoi. Ça ne vient pas tout seul. Ça a une vie avant, ça a poussé quelque part, ça vient de quelque part. Est-ce que, du coup, c'est un moyen pour vous de dire aux autres, regardez ce qu'il y a autour de vous, c'est très fort, c'est très riche, il se passe beaucoup de choses autour de vous et vous ne le voyez pas. Avec le stéthoscope, il y a cette dimension-là, ça révèle des choses qu'on ne voit pas avec les oreilles.
C'est aussi ça, hein, voir avec les oreilles, entendre avec les yeux. C'est, donc il y a vraiment un truc de connexion. Et quelque part, ces choses-là aussi, nous aussi, on n'est pas que des différents morceaux qu'on s'est identifiés, on forme aussi un ensemble. Les fruits et légumes, c'est quelque chose qui touche tout le monde et qui touche à tout. C'est quelque chose qu'on connaît. Quand je te donne une flûte en bois, tu vas me dire non, j'ai pas appris. Si je te donne une flûte carotte, ben, curieusement, on en joue tout de suite. Et donc vous pouvez accéder à plus de gens plus facilement. L'appropriation est plus facile pour l'autre. Il peut le faire. Vous êtes plus proche, en fait, avec ces légumes. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de tous ces légumes en musique, là? J'avoue que je suis impressionné. Impressionné? Moi qui connais bien les légumes, j'avoue que je suis impressionné avec tout ce qu'on peut faire avec des légumes. Quoi. C'est surprenant. Et même les bruits qu'il arrive à sortir grâce aux légumes, je trouve ça fantastique. Non, mais vraiment fantastique, fantastique. Rien à dire. Voilà. Je préfère y manger. Vous préférez un bon poteau feu. Voilà. C'est bien de pouvoir créer des sons comme ça, qui sont inhabituels. C'est intéressant. Intéressant. Et est-ce que vous pensez que ça pourrait se développer, qu'on pourrait faire vraiment une vraie belle musique à part, à partir de légumes, ou ça reste expérimental? Ça reste expérimental. Oui, vous n'y croyez pas. Faire une symphonie de légumes, je pense pas. La 9e symphonie en légumes, non? Non. Complainte de l'endive qui voulait pas aller dans le saladier, j'ai compris ça, moi. Ah, ça y est. Ouais. Vous pensez que c'est ça qu'elle a exprimé, là, l'endive? Je crois que c'est ça. Donc c'est triste, alors, comme chanson? Oui, non, mais je trouve que c'est une façon de s'exprimer. Thank you.
Qu'est-ce que vous regardez, là, comme ça? Bien, cette feuille suspendue à un fil de toile d'araignée. Selon comment la feuille se tourne, des fois, on peut en voir des personnages. Vous voyez des personnages? Il y a la tête, comme ça, et puis les feuilles qui se rassemblent, ça fait un peu ça. Mais il est dur à voir. Comme un bébé encapuchonné? Ouais, voilà. Ah bah oui. Ouais. Bon, oui. Bah voilà, maintenant, vous voyez... C'est ça, il y a juste ça à voir. L'idée, c'est de demander tout le petit peuple de Ferry, les lutins, etc., de bien vouloir se montrer à nous et pas de nous, de vouloir les voir. C'est-à-dire que vous voulez voir des lutins? Des petits lutins, des petites fées, enfin tout le peuple de Ferry qu'on peut imaginer, chacun avec son imaginaire. Mais l'idée, c'est qu'ils viennent vers nous. Attendez, parce que là, vous voulez dire que, ouais. Que vous venez en forêt, oui. Là, à 7h du matin, ouais. Pour rencontrer les lutins et les fées. Ouais. C'est pour ça qu'on vient tôt. Qu'après, ils se cachent un peu. Mais... Ah, c'est du costaud d'un coup, je vous dis, là. Mais des... Et vous en avez déjà vu? Bah oui. Je les vois, je les perçois, je les entends. C'est pour ça que je chante souvent avec eux. Parce que vous chantez avec eux? Voilà. Oui. Je ne sais pas si vous avez vu la brume, mais elle n'y était pas tout à l'heure. Oui, c'est vrai, la brume s'est levée en 30 secondes. Donc devant nous et derrière, il n'y a pas. Alors ça veut dire quoi? C'est les êtres de la forêt qui nous disent, je sais pas, qui mettent de la fumée là pour pas qu'on y aille? Là, je fais juste le constat. Il y a un petit brouillard de brume là, c'est tout. Après, ouais. je cherche pas... Il y a une petite brume là. Je cherche pas à comprendre plus. Mais alors du coup, maintenant, j'ai envie de voir les lutins. On verra. Je ne sais pas si vous les verrez, je ne sais pas s'ils viendront nous voir, j'en sais rien. Je promets rien. Et là, on est entouré de brume. Voilà, mais là, si je vous dis qu'il y a plein de personnages autour de moi, vous allez me dire, là, je ne les vois pas. Il y en a là? Oui, il y a plein de petits personnages très bas. Là, partout ça bouge, là, ils sont, c'est leur hauteur. Là, ils sont là tout autour, là. Ouais. Alors là, ils n'ont pas trop envie de se montrer, alors ils sont plutôt transparents, quoi. Donc je pourrais pas tellement vous dire comment ils sont, parce qu'ils sont encore un peu invisibles, quoi. Et pourquoi ils n'ont pas très envie de se montrer, là? Là, faut être prêt pour les voir. C'est parce que je suis pas assez disponible? Et puis peut-être moi aussi. Aussi. Ça fait travailler l'imaginaire ici, hein? Mais c'est normal, c'est une forêt magique, la forêt de Brocéliande. Si je suis passée par le plus facile. C'est un peu compliqué comme passage, là, non? On va demander, gentiment. Qu'est-ce qu'il faut dire? Ne pique pas? Non, parce que ça, c'est une fraise négative et ils entendent que pique, le pas, ils l'entendent pas. Ah bon? C'est déjà merci de me laisser passer. Je crois que je vais y aller toute seule. Ah, mais ça pique vraiment beaucoup, hein? Ouais, donc je vais y aller toute seule. Parce que vous, ils vous laissent passer, en fait? Ouais. Et moi, non? Non. Il y a quelque chose qui vous appelle là-bas? C'est juste un beau lieu pour faire des sons, c'est tout. C'est le lieu. Pardon les fougères, je fais que passer. Merci les fougères. C'est un besoin pour vous d'aller chanter dans la forêt, comme ça?
Un besoin, oui. Ouais. Ouais. J'ai la chance d'habiter à côté d'un bois à 500 mètres de chez moi, donc bon, c'est pas la même forêt, mais c'est déjà sympa. Vous pourriez pas vivre loin d'une forêt? Non, je suis née dans une forêt, j'ai grandi à côté d'une forêt, j'ai travaillé à la ville, j'ai été très malheureuse. Ouais. Et je suis vite revenue à côté d'une forêt. Qu'est-ce que vous faisiez à la ville? J'étais assistante d'ingénieur, assistante de direction, chargée de com, enfin voilà, plusieurs postes que j'ai pu occuper, dans les bureaux. Et vous avez tout arrêté? Ah oui. Pourquoi? Pour me consacrer à la forêt. C'est ça maintenant mon métier, de partager ma façon de rentrer dans la forêt aux gens, puis de leur faire découvrir ça. Et vous réussissez à en vivre de... Ah, la question. Bah oui. C'est un chemin. Pour l'instant, je ne peux pas dire que je mange tous les jours avec. Je suis heureuse avec ça, donc c'est le principal. Oui, c'est un sacré choix. Oui. Donc j'ai envie ici de m'arrêter un petit moment avant de franchir ce mur, de faire des offrandes à la forêt pour la remercier de nous accueillir, remercier le petit peuple, voilà, tous les habitants de la forêt. Vous allez leur offrir quelque chose? Comme je sais qu'ils adorent le miel, parce que c'est plein d'énergie. Bon. On se régalait. Mais parce que là, vous envoyez des petits êtres? Pour l'instant, pas trop, mais on va voir la différence avec après. Ah, ça y est, ça arrive. Bonjour les copains, les offrandes pour vous. Qu'est-ce que vous voyez? Les trucs qui remuent autour, là. Très légèrement, mais... Je pense qu'ils veulent d'abord profiter du miel et puis on verra après. Mais là, ils ne le mangent pas encore, là. Non, ils attendent qu'on parte. Donc on va les laisser tranquilles. Ils sont timides? Ouais. Et si je reste? On peut essayer, hein. Je pensais pas qu'un jour je serais là à attendre de voir des lutins. Je constate juste que le vent n'est pas par ici, et puis il y a les fougères autour de vous qui bougent un petit peu, léger, mais là-bas, à côté du miel, elles bougent, et les autres autour ne bougent pas. Je constate juste ça. Ça bouge, là. Ouais. Ouais, voilà. C'est en train de bouger la fougère, tu me vois. Là, il voudrait que je le voie. Ouais. Ah oui, mais je le vois pas. Ah non. Et pourquoi je le vois pas? Ils se montrent pas trop, là. Hein. Ils sont un peu timides, quand même. On va essayer un truc, hein, mais je promets rien. Hein. Tu veux bien essayer de montrer, s'il te plaît? Ouais. Il est large comme ça, grand comme ça. Puis ils se demandent bien pourquoi vous voulez absolument le voir. Et vous le touchez, là? Ouais, là. Et vous sentez une densité. Et je peux toucher aussi? Vous pouvez essayer, hein. Ça. Venir doucement, comme ça, puis sentir la différence.
puis des endroits où ça se ralentit, quoi, la pluie. Comme si on mettait la main sur un nuage, on sent qu'on peut traverser, mais que ça ralentit un tout petit peu, quoi. C'est subtil. C'est très subtil, bien sûr. Et si vous mettez les deux mains, en s'approchant un peu confortablement encore, gentiment, voilà, tout doucement. Vous allez l'écraser. Voilà, donc c'est pour ça, tout doucement. Sentir la différence dedans ou autour. Ou... Mais on a tellement envie de sentir quelque chose qu'on le sent. Bah. Je sais pas. C'est grand quand même. Ouais, là il est en train de partir, là, ils sont là. Ils sont partis. Mais faites la différence avec les mains. Ah oui? Non, ça fait comme ça, quoi, oui, direct. Ça fait. Il n'y a plus une densité. Il est parti. Mais je suis un peu perdu parce que. Je suis tellement sous l'influence de ce que vous dites que je ne sais pas si ce que je ressens, c'est. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, ouais, tout à fait. Mystère. Mais alors, c'est qui ces petits êtres? D'où ils viennent? Je sais pas. Vous savez pas du tout? Non, je sais pas. Je me contente d'être contente qu'ils viennent me voir de temps en temps, et ça me suffit, et j'ai pas d'explication. Vous leur avez pas demandé? Non. J'ai jamais pensé à leur demander. Ah bon? Non. Mais moi, c'est la première chose que je ferais. Moi, ça me va. Moi, je dirais, qui es-tu? D'où viens-tu? Ben, il y en a qui le font, hein, mais... Moi, ça me suffit. Je m'en contente. Et il est à quel endroit, là? Vous voyez, ça fait une fente tout en bas de l'arbre, là. C'est l'entrée de son... chez lui. Il habite dans l'arbre? Ouais, c'est sa maison, là. Mais vous pensez qu'il a des camarades dans le coin, ou il est vraiment seul dans le secteur? Il n'y a que lui qui a envie de se montrer, là. Ça me fait super peur de vous dessiner ça. Pourquoi ça vous fait peur? Toujours le regard des gens extérieurs. Et qu'est-ce que vous pensez que les gens vont dire? Que ça ne voit rien, ça n'existe pas, c'est pas vrai. Ce qu'on dit beaucoup aux enfants qui voient plein de choses, et on leur dit mais non, les fantômes n'existent pas, c'est pas vrai. Et puis du coup, ils ferment la porte à ça. Mais on voit tous les mêmes choses, tout petit. Mais moi, je me souviens pas avoir vu des lutins quand j'étais petit. Bah, peut-être que vous en souvenez pas. Les gens se rappellent plus, forcément. Mais on a tous les mêmes capacités au départ. Mais moi, je respecte les gens qui disent « ils croient pas, ils voient pas », voilà, chacun son truc, quoi. Et ça, c'est un lutin sympa, ou... Ouais, il est super sympa. Il est sympa, celui-là? Il est super content. Pourquoi il est content? Bah, il est content de se montrer. C'est content. Un lutin cabot. Ouais. En tout cas, il a une bonne tête, on a envie de le connaître. Ouais. Il est reparti, là? Ouais. Ça m'énerve parce que moi, je le vois pas. Non, non. Pourquoi? Bah, je sais pas, faut lui demander. C'est lui qui a décidé de ne pas se montrer à moi. Ouais. Il a l'air vraiment sympa. Ouais. Et il a un nom? Tim Paleko. Tim Paleko? Ouais. Comment vous le savez? Paleko, bah, il me l'a dit, c'est tout. C'est-à-dire qu'il vous parle? Bah oui, quand je vous dis, je les entends, c'est pas de la blague. Ah donc, il y a une parole. C'est les trucs que j'entends, quoi. Ça, c'est du lutin, ça? Ouais. Enfin, c'est du petit peuple, voilà, parce que plein de tribus, quoi. Moi, c'est le langage que... J'ai envie de dire de la nature, du petit peuple, des arbres, de la lune, du soleil.
Pour moi, c'est un, j'appelle ça un langage universel. Vous pouvez me le redire, c'est la première fois que j'entends parler le lutin. Chinkaparekan, sila kempara, kintare, tantara. Chinkaparekan, timbareken, sempereken, paratinta. Et qu'est-ce que ça veut dire? Je sais rien. Et je m'en fiche. Je sens juste quand c'est agréable, désagréable. C'est comme si on entendait quelqu'un parler une autre langue. Et puis ben, on devine par rapport à la tonalité, voilà, si on est bien accueilli ou pas. Et moi, ça me suffit, quoi. Et quand il est en colère, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à du vent, parfois, d'abord. Ah oui, le vent se lève. Ça s'assombrit, avec moins de soleil. Parce que là, si je me branche sur des pas contents, ben, l'air est plus frais, là. Oui, c'est vrai. Voilà, donc du coup, là, c'est les pas contents. Ah mais ça, c'est vrai que c'est juste incroyable. Il y a eu un coup de négatif, là. Il s'est mis à faire gris avec du vent. Juste le temps qu'on parle des méchants. Ouais, bah voilà. C'est vraiment sur quoi je me focalise, sur quoi j'ai envie de me brancher, entre guillemets, sur quoi je mets l'intention. Et en fait, est-ce que c'est une espèce de leçon? C'est-à-dire qu'en fait, est-ce qu'on choisit le monde avec lequel on veut vivre, le monde dans lequel on veut vivre? Il y en a beaucoup qui disent c'est nous qui créons notre... le monde par nos pensées, nos paroles, nos actes. Si on pensait tous à de belles choses, bah peut-être que le monde y serait autrement. Qui sait? Ouais. Ah, il y a un moustique qui m'attaque. Ouais, ça, allez. C'est un gentil ou un méchant? Là, c'est bon. C'est quand que vous partez, quoi? Parce que là, c'est le temps de partir du lieu, quoi. Voilà. Merci, le lieu. Qu'est-ce qui vous apporte à vous, en fait? J'ai l'impression de faire partie de la forêt, de faire partie du peuple de la forêt, de pouvoir chanter, de pouvoir m'exprimer, de pouvoir être plus que quand je suis pas dans la forêt. C'est vrai? Ouais. Est-ce que vous auriez envie de faire partie de leur peuple? Quand je suis dans la forêt, par moments, j'ai l'impression d'en faire partie. Et vous êtes quoi? Vous êtes une fée, un elfe? C'est un mélange entre fée et elfe. Un peu elfie. Elfie-fée. Elfie-fée, quoi. Je me sens confortable là-dedans, dans ce personnage. Mmh. Et une fée, ça a une baguette magique. Ça peut faire quelque chose d'extraordinaire. Ah, j'aimerais bien. J'apprends. Et vous pouvez? Je suis persuadée que c'est possible, j'ai envie de dire, j'en suis pas assez, peut-être assez persuadée pour que ça marche, peut-être. Et si un jour elle marche, qu'est-ce que vous feriez avec votre baguette magique? Par exemple, peut-être inviter encore plus de fées et de lutins à venir dans les villes, voir les gens, d'être peut-être un peu plus visible, pour réapprendre à l'humain à les revoir sans se faire peur. Et ce serait bien pour les humains? J'ai l'impression que l'humain a besoin de revenir à des choses simples et de se réconcilier avec tout ça, quoi. Ouais. Avec leur corps d'enfant, d'oser revoir les fées et les respecter. Ça leur ferait du bien. Ouais. Moi, je souhaite que votre baguette marche. Merci. Can you?